Salut l'équipe, on va parler NFT, on va parler jeux vidéo et ça, je sais que ça vous parle. Alors bien entendu, comme d'habitude, sur n'importe quel projet dont je parle, disclaimer évidemment, c'est surtout pas des conseils d'investissement, vous faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches. Je suis là pour vous donner des éléments qui vont venir abonder votre recherche pour derrière voir ce qu'il y a à faire éventuellement avec ce type de projet. Mais en tout cas, on va être tellement early qu'au final, là l'objectif ça va surtout être d'obtenir des whitelists et rester bien à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses à faire. Le projet en question s'appelle Alpha Alien Club. L'objectif ça va être de créer un jeu vidéo avec la thématique du coup des aliens, les personnages qui vont bien avec et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, c'est que le projet est très très récent puisqu'il date du 28 mai 2022 au moment où je poste cette vidéo. Ça va faire grossièrement un mois que le projet a été lancé, donc on est vraiment au début de la roadmap. Et c'est là où c'est intéressant en tant qu'investisseur de se placer sur ce type de projet, ne serait-ce que pour avoir des whitelists tout simplement, puis pour pouvoir être prioritaire dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand le projet va se développer. Et donc moi en tant qu'investisseur, quand je vois ce type de choses, je me dis, étant donné que je vais être très très early sur ce type de projet, autant être actif directement sur Discord, me faire remarquer, voir que montrer que j'ai de la connaissance et que je tiens la route. Et l'objectif, c'est aussi de trouver tout de suite les différents modérateurs, notamment sur les chats français Discord. Et en fait, ça peut vous permettre de passer d'une casquette de simple investisseur qui arrive sur un projet pour demander une whitelist à partie prenante carrément du projet. Ok, et on se retrouve sur le site internet de alphaalien.club. Du coup, vous avez l'adresse que de toute façon, je vous mettrai en description. Le site est plutôt graphiquement bien fait, hein, comme vous pouvez le voir. Je parcours un petit peu les différents sites, les différents types de personnages évidemment. Vous pouvez rentrer évidemment un peu plus dans le détail avec ce projet NFT, qui se lance dans une période de bear market, donc c'est jamais facile, mais si ça passe l'histoire, ça peut être très intéressant d'être placé. Comme vous le voyez, on est vraiment sur une logique graphique plutôt intéressante. J'aime bien l'aspect, j'aime bien le côté développement, design qui a été mis en place par la team. Vous avez grossièrement la roadmap avec les grandes étapes, même si évidemment ils vont étoffer tout ça puisque le projet, comme je vous l'ai dit, est encore largement jeune. Vous pouvez retrouver évidemment une foire aux questions à la fin et puis les différents réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents. Ils ont aussi un Linktree, je le remettrai bien évidemment en description de cette vidéo avec tous les réseaux sociaux qu'il faut et notamment un TikTok qui marche plutôt pas mal du tout. Donc très intéressant de pouvoir se positionner sur évidemment tous les réseaux sociaux. En parlant de Discord, moi c'est quelque chose qui m'importe, on va juste aller checker vite fait, simplement pour vous dire qu'il y a quand même pas mal de monde, je crois qu'il me semble un peu plus de 44 000 membres aujourd'hui dans le Alpha Alien Club et il est encore très récent ce projet là, donc c'est intéressant de pouvoir se placer d'ores et déjà sur un projet de ce type là, en tant que modérateur par exemple, je le redis comme je disais juste avant. Sur Twitter, ils sont aussi bien évidemment présents, regardez voilà, avec 21 000 followers quand même, donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir davantage d'engagement sur les différentes publications, mais vous pouvez déjà voir les différents graphismes. Il y a des choses qui sont plutôt très très intéressantes, d'ailleurs je vais vous mettre quelques vidéos dans cette vidéo YouTube justement. On va pouvoir aller voir un petit peu de quoi il en retourne tout simplement. Sur Instagram, même principe, ils sont plutôt actifs, par exemple ils ont une story encore actuellement, vous retrouvez le lien du Linktree, les différents types de personnages, donc c'est intéressant, vous avez de quoi faire. Hein. Honnêtement là, pour la personne qui s'intéresse, vous pouvez aller checker un petit peu le contenu, et comme j'ai tout à l'heure, je vous parlais de graphisme et de design, on est sur quelque chose qui a été relativement bien travaillé. Ils ont aussi une chaîne YouTube, donc il y a quand même de quoi faire hein, en termes de contenu, qui va être probablement très abondé par la suite pour donner du contenu, étant donné qu'ils sont sur quelque chose de très visuel. Et c'est là où ça va devenir très intéressant sur la casquette investisseur, en fait, puisque le jeu vidéo actuellement, et notamment l'équipe, est en train de se développer sur l'aspect français, ok, sur l'aspect France. Donc sur le Discord, évidemment, ils ont un onglet France. Et l'idée, c'est de pouvoir obtenir une whitelist. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que une whitelist, derrière, ça peut vous permettre d'avoir quand même pas mal de choses et d'avoir notamment accès à des prix
dans la plupart du temps, qui sont quand même beaucoup plus avantageux que ce qu'on peut trouver sur le marché secondaire. Parfois, il y a des projets qui ratent, parfois, il y a des projets qui réussissent. L'objectif, c'est que ça réussisse aussi. Et bon, après, une whitelist, ça coûte pas grand-chose. Parce que là, ce que je vais faire, c'est génial. Et la team m'a proposé de faire ça. Et je trouve ça génial parce que j'en ai parlé. C'est tout simplement que les 5 premiers qui rejoignent le Discord par le lien qui va être juste en dessous de cette vidéo, par le lien de description, eh bien, en fait, ils vont avoir une whitelist automatiquement. Donc, c'est full bénef, c'est au plus rapide, évidemment, comme d'habitude. Et bah, forcément, derrière, ça vous donne un avantage de dingue derrière. Alors, bien évidemment, si vous arrivez après ces 5 premiers, eh bien, il y aura forcément moyen d'avoir des whitelists. Vous avez bien compris un petit peu qu'on est très, très early sur ce type de projet. Et donc, il suffira simplement de vous montrer. Mais pour ceux qui sont, qui seront les 5 premiers dans le Discord, simplement, bah, arrivez dans le Discord, allez sur l'onglet France, en fait, et se présenter et dire que vous venez de ma part, en fait, tout simplement. Et comme ça, ça ira très, très vite et vous allez pouvoir avoir votre whitelist dans la foulée. Bref, on est sur un projet NFT jeu vidéo qui a l'air très très sympa, ne serait-ce qu'en termes de graphisme. On est très early, ça, faut être complètement conscient de la chose. Il y a des whitelists à aller chercher, donc autant vous dire que ça sent plutôt bon pour nous en tant qu'investisseurs sur ce type de projet. Allez, ciao ciao!